Un coup de théâtre en Centrafrique hier, l'invalidation ce 23 septembre du décret présidentiel qui instaurait un comité de rédaction pour une nouvelle constitution. On y revient ce matin avec vous, Jean-Baptiste Placa, bonjour. Bonjour Julien Coquel-Rouen. La Cour constitutionnelle met un coup d'arrêt au projet de troisième mandat que l'on prêtait au président Faustin Archange Touadéra. Ses partisans sont évidemment en colère, mais n'est-ce pas tout de même une victoire pour la démocratie centrafricaine ? Mieux qu'un simple coup d'arrêt à un inavouable troisième mandat, cette décision est un acte de courage et de dignité dont on aimerait tant voir d'autres magistrats, d'autres institutions s'inspirer sur le continent. La justice, une bonne justice, est le rempart ultime contre l'arbitraire dans une Afrique où la couardise de trop nombreux magistrats a pu déclencher depuis les indépendances des crises graves, parfois meurtrières, sans compter les retards et les régressions qui ont assombri l'histoire de nombre d'États. À ceux qui, dehors, braillaient leur hostilité à cette décision, l'on pourrait, à l'instar du président John Kennedy, rétorquer que dans un État basé sur le droit, personne, quelle que soit sa puissance ou son importance, ni aucun groupe, aussi surexcité et bruyant soit-il, n'est en droit de défier le jugement d'une cour. Kennedy, en octobre 1962, faisait escorter James Meredith, étudiant noir, à l'université du Mississippi, jusqu'alors réservée aux seuls blancs. Les juges constitutionnels centrafricains, ici, imposent la constitution que l'on peut critiquer, mais pas bafouer. Jean-Baptiste, n'est-ce pas pour autant un peu exagéré de prêter à ces magistrats une telle importance ? Non, au contraire, lorsque les dirigeants politiques en viennent à considérer que plus aucune limite ne s'impose à eux et que le prince s'estime au-dessus de ce sentiment que l'on appelle le doute, seule une justice courageuse peut le ramener aux valeurs essentielles qui fondent une nation, y compris en lui opposant la loi fondamentale. Surtout en Afrique, où démocratie devrait rimer sans cesse avec développement. Et si une certaine Afrique va si mal aujourd'hui, c'est aussi parce que des magistrats lâches et corrompus ont manqué de courage à certains moments et se sont mis systématiquement au service de chaque pouvoir en place, devançant souvent ses moindres désirs pour s'ériger en fossoyeur de l'état de droit et de la démocratie. Avec en plus la certitude de ne jamais avoir à rendre compte. La présidente Danielle Darlan et ses pairs, juges constitutionnels, entrent dans l'histoire de leur pays et le temps viendra où le peuple centrafricain leur en saura gré. Mais alors, comment se fait-il, Jean-Baptiste, que certains chefs d'État se laissent entraîner dans l'aventure d'un troisième mandat ? C'est généralement bien orchestré, mais souvent sans grande originalité. On dénombre dans l'entourage de chaque chef d'État des thuriféraires, dont quelques-uns plutôt serviles, avec une certaine propension à vouloir pour leur leader la vie éternelle, de préférence au pouvoir. En général, ce n'est ni pour le pays, ni pour le président, mais pour eux-mêmes. Et c'est ici qu'interviennent la médiocrité et l'égoïsme. Tel porteur d'encensoir, conscient de ne jamais pouvoir conquérir par le mérite le poste qu'il occupe, se dit que le meilleur moyen de le garder est que jamais le président ne s'en aille. L'intrigue alors se substitue à la compétence et peut même finir par prendre le pouvoir dans certains cabinets présidentiels. Ceux-là sont souvent prêts aux pires ailes pour un troisième mandat, et même davantage, toujours par calcul personnel. Il se trouve parfois qu'un dirigeant finisse par se laisser griser par ses flatteries de griots obséquieux et serviles, au point de se vautrer dans la certitude d'être indispensable à vie à son peuple. Jean-Baptiste Placa, chaque samedi sur RFI, votre regard sur l'actualité. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.